Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va regarder les énoncés et on va changer aux équations. Alors, un nombre divisé par 3 égale 4. Alors, un nombre, c'est notre variable, divisé par 3 égale 4. Excellent. On continue. 20 moins un nombre, encore, c'est notre variable, égale 6. Super. Ensuite, 9 moins, alors 9 moins la moitié d'un nombre. Alors, pour trouver la moitié, on doit diviser par 2 et l'autre terme constant est 6. 3 plus que le double d'un nombre. Alors, 3 plus le double d'un nombre égale 11. Et avec l'addition, on peut changer l'ordre. Alors, 2n plus 3 est aussi acceptable. 8 soustrait d'un nombre donne 2. Alors, le 8, c'est soustrait d'un nombre. Alors, l'ordre va changer. Donc, le n va aller ici et on va soustraire 8. Et le mot donne, c'est le verbe donner. C'est exactement la même chose que le mot égal. Ensuite, la moitié d'un nombre. Alors encore, la moitié, on doit faire la division par 2. Et notre réponse, le mot « et », c'est un synonyme pour « égal ». 4 de plus que le double d'un nombre donne le numéro 20. Excellent. 6 de plus que 3 fois un nombre égale 9. Et encore avec l'addition, tu peux changer l'ordre si tu veux. Et finalement, un problème d'application. Si le coût de 2 billets pour adulte à 5 $ chacun et n billets pour enfants à 3 $ chacun égale 25, quelle est l'équation? Alors, nous avons 2 billets pour adultes. Alors, si on fait 5 fois 2, ça va être notre terme constant. Et le nombre d'enfants, c'est 3 $, mais on ne sait pas combien d'enfants. Donc, on va écrire 3 et n, parce que n, c'est le nombre de billets, et 3 $, c'est le prix pour chaque enfant. Et notre total, ou l'autre terme constant, est 25 $ dans cette situation. Excellent, tout le monde.